ce site de la lagune de Conto, qui est un espace naturel sensible du département. On a installé un petit rideau qui, sur 450 mètres de longueur, les crapauds descendent de la forêt, le talus est assez abrupt. Ils rencontrent ce rideau, ils cherchent à traverser, ils sont attirés par l'eau à cette période de reproduction. Et en suivant le rideau, ils trouvent un seau, ils tombent dans le seau tout doucement. On les récupère le matin le plus tôt possible. On fait l'inventaire, parce que pour nous aussi, c'est une façon de bien répertorier toutes ces populations de crapauds. Il est installé juste pour la saison et on va le démonter aux alentours du 1er mars. Depuis le 17 janvier, on a réussi à éviter à peu près 500 crapauds épineux et grenouilles agiles de se faire écraser par les voitures. On a vu des crapauds. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait avec les crapauds? On les a mis dans des seaux et on est allé les libérer. C'est parce que sinon, il faut traverser la route et puis du coup, ils vont se faire écraser.